Oui, donc moi je suis l'adjudant Lorane. Je suis sous-officier de carrière dans l'armée de l'air et je suis dans ma 18e année de service. Je travaille sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac au sein du cabinet de la base aérienne. Donc le cabinet, il est composé de plusieurs cellules, la cellule photo notamment, dans laquelle je travaille, et aussi la cellule communication. Donc voilà, on est plusieurs photographes au sein de la cellule photo. On est trois exactement. Et on a également un élève qui est en apprentissage chez nous, donc la moitié de la semaine. Voilà, donc en fait, nous, au quotidien, on est chargé comment dire, de faire tout ce qui est au niveau de la communication, de la photographie sur la base aérienne. Et donc, on est en étroite collaboration avec la cellule communication. Moi, je n'avais pas de militaire dans ma famille, mais j'ai été très tôt attirée par le monde de l'armée. Enfin, ça, c'était quelque chose qui me plaisait. D'un autre côté, j'étais aussi très attirée par la photo. C'était une passion pour moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de cette possibilité de faire photographe dans l'armée de l'air. Et du coup, je me suis engagée à 17 ans. Dans un lycée militaire, le lycée d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes. Donc là, ben, en fait, j'ai poursuivi ma scolarité au sein de l'armée de l'air jusqu'au baccalauréat que j'ai passé à l'époque en candidat libre, parce qu'à l'époque, c'était même pas obligatoire dans cette école de le passer en présentiel. Maintenant, ça a changé, hein, c'est obligatoire. Mais voilà, ensuite j'ai réussi à obtenir une place de photographe parce qu'il faut savoir que quand on fait ce lycée-là, on a plusieurs spécialités qui nous sont. Enfin, maintenant il y a quasiment toutes les spécialités qui sont ouvertes, mais il y a quand même un certain nombre de places. Donc on est en fonction de notre classement, on ne peut pas forcément enfin, voilà, avoir tout ce qu'on veut. Donc j'avais bien travaillé pour avoir la spécialité photo. Ensuite, je suis partie à Rochefort, en Charente-Maritime, à l'école des sous-officiers pour pouvoir faire ma spécialité de photographe. Donc, toute la formation de photographe qui durait un an à l'époque et durant laquelle, en fait, on apprend la photo, mais pas que, la vidéo, l'infographie, le web, même si ça a évolué. Hein. À l'époque, c'était pas les mêmes formations, on va dire. Et voilà, et ensuite j'ai une première affectation à Tours, pas très longtemps. Ensuite, je suis partie à Orléans, où je suis restée pendant 8 ans, en tant que photographe toujours. Ensuite, je suis allée à Dijon, ensuite à Istres, et depuis 2019, je suis à Mérignac. Voilà, donc je suis photographe, mais comme je disais au niveau des formations, ça comprend quand même tout un tas de spécialisations, on va dire. La photo, bien sûr, la vidéo, donc la vidéo à la fois la prise de vue, le son, le montage. Ensuite, on fait aussi de l'infographie beaucoup, réalisation de flyers, de choses comme ça, de support de communication et aussi du web. De la mise à jour de sites web de support de communication. Donc voilà, on fait quand même des choses très différentes. Et il faut savoir que suivant les affectations où on se trouve, on est, enfin, des fois il y a tout ça, des fois il n'y a pas tout ça, des fois il n'y a qu'une partie, des fois il n'y a que de la photo, que de la vidéo. Bon, moi, je suis quand même souvent allée dans des services où on était assez polyvalent et où j'ai fait un petit peu tout ça à chaque fois. Voilà, j'ai été un petit peu partout en France pour l'instant et puis ça continue puisque je ne vais pas rester à Mérignac encore très longtemps.
Voilà, donc en fait, j'ai aussi pu faire des missions extérieures aussi, des OPEX, une en Afghanistan et une pendant l'opération Harmattan avec la Libye, où j'étais en Crète. C'était un peu moins, comment dire, c'était plus sympathique, on va dire. Mais voilà, donc c'est un travail passionnant et assez diversifié. C'est vraiment en fonction de l'emploi du temps, des activités qui sont annoncées. Et en fait, effectivement, mon travail ressemble à un service de communication, on va dire, classique dans une entreprise. C'est-à-dire que on va faire des photos, des vidéos de toutes les manifestations qui vont se dérouler sur la base aérienne, que ce soit par exemple des visites. Alors, ça peut être des visites d'autorités militaires, mais ça peut être aussi des visites d'autorités civiles. Ça peut être des visites d'associations aussi également, des visites scolaires. Donc, tout ça, on va faire des photos, des vidéos de ces événements, on va dire, qui sont selon un emploi du temps défini, en fait. Ou alors, on peut aussi faire des photos, des vidéos de l'activité des unités de la base aérienne. En fait, par exemple, il va y avoir un exercice, il va y avoir, je sais pas moi, ou alors on va devoir faire un portrait de quelqu'un. Donc, on va aller faire des prises de vue de cette personne dans son élément net, enfin, au quotidien, dans son travail. Ça peut être des cérémonies, il y a des cérémonies militaires, donc il y a des cérémonies militaires à la fois sur la base aérienne, donc là on fait des reportages, mais aussi à l'extérieur, par exemple le 8 mai, le 14 juillet, on fait des cérémonies en ville, et ben là le photographe se déplace pour faire un reportage de la cérémonie. Ça peut être, alors c'est pas non plus notre quotidien, mais on peut faire aussi des photos à bord d'aéronefs. Ça peut être des avions de transport, des hélicoptères ou des avions de chasse. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique, même si ça nous arrive pas tous les jours non plus, hein, faut pas non plus vendre du rêve, mais ça arrive quand même de temps en temps, donc c'est assez sympa. Donc ça, c'est pour la partie photo surtout. Photos et vidéos. Vidéo, on peut être aussi amené à faire des petites interviews, ou alors des reportages plus complets, ou alors faire par exemple des films du type film de présentation de la base aérienne, film de présentation d'une unité particulière, ou une synthèse sur un exercice qui s'est passé au sein de la base aérienne. Donc ça, c'est pour photos, vidéos. Ensuite, on a une grosse partie web, c'est-à-dire qu'on a un site, ce qu'on appelle intra-def, c'est un site interne à la Défense. Donc, on a un site de la base aérienne, donc on le met à jour quotidiennement. C'est des informations qui sont à destination des personnels de la base aérienne principalement, mais aussi plus largement de la défense, parce que c'est accessible à tous les militaires et personnels civils de la défense. Il peut y avoir des informations très pratiques, comme ben, en ce moment, tout ce qu'il y a au niveau de la crise sanitaire, c'est-à-dire des consignes sur les gestes barrières, des consignes sur comment dire, comment s'organiser au niveau des repas, tout ça, c'est des choses très concrètes, mais ça peut être aussi des choses plus, comment dire, des photos, des portraits de personnel, des informations sur les unités, tout un tas d'informations, comme sur un site internet classique d'une entreprise ou d'une administration. Et aussi une partie web sur les réseaux sociaux. Donc là, plutôt côté Internet. Donc nous, on a une page Facebook et Instagram aussi. Et donc là, en fait, ben, toutes nos photos, nos vidéos sont mises en ligne par la cellule communication. Nous, on fournit les images et la cellule communication fait les textes et publie cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Nous, on fait vraiment la publication sur la partie site interne web.
et la cellule communication sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. Ensuite, on a une grosse partie infographie. Donc, on produit des supports de communication, des flyers, des plaquettes, des affiches, des petites cartes de visite aussi, plus basiques. Enfin, voilà, tout un tas de supports de communication. Parfois, on fait aussi l'impression. On a une mini repro, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les bases aériennes. C'est beaucoup sous-traité maintenant, la partie reprographie. Mais nous, à Mérignac, on a quand même encore une petite partie reprographie. On ne peut pas tout faire, mais on fait quand même pas mal de choses. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a le produit de A à Z, de la conception graphique à l'impression. Donc, c'est quand même assez sympathique à faire. On fait aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec notre métier de photographe, mais qui sont en rapport avec notre métier de militaire, parce qu'on reste militaire avant tout. Donc, on a aussi des missions à réaliser dans le cadre de notre appartenance à l'armée, notamment des astreintes. On peut aussi être engagé sur l'opération Sentinelle, par exemple, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire la protection des lieux comme les aéroports, les gares, ces choses-là. Ben, nous, on participe aussi à ces renforts-là, donc ben, ça nous prend aussi une partie de notre temps, parce qu'on reste militaire. Du coup, ça peut être n'importe quand, hein, ça peut être la semaine, le week-end. Pendant les jours fériés, voilà, ça c'est important aussi de le savoir. On fait aussi des missions, enfin, des missions extérieures, des OPEX, on appelle ça. Donc moi, pour ma part, j'ai fait deux opérations extérieures, une en Afghanistan et une en Crète. En Afghanistan, j'ai fait un travail qui est un petit peu différent de mon travail au quotidien. Parce que là, je développais des films d'avions de chasse, de Mirage F1 principalement. Et en fait, donc on avait des grosses machines hein, argentiques, hein, comme quand on faisait des photos avec des pellicules photo, mais sauf que là, c'est des grosses pellicules, si je peux dire. Et donc, on les développait. Et ensuite, c'était donné au service de renseignement, en fait, pour analyse, en fait. Donc là, c'était un petit peu différent de mon travail actuel, mais c'était assez intéressant parce que ben, c'était intéressant pour tout le monde, en fait, de voir un petit peu les photos qui sont prises et ce qu'il advienne après, en fait. Nous, sur des photos où on ne reconnaît absolument rien, ben les interprètes photos, eux, ils voient des choses très intéressantes. Et ça, moi, je n'avais pas eu l'occasion de le faire dans le reste de ma carrière. Donc, j'ai trouvé ça différent et intéressant. Et par contre, sur ma deuxième opération extérieure, là, j'ai fait vraiment plutôt mon travail habituel de photographe. C'est-à-dire que là, je prenais des photos des activités quotidiennes du détachement français et on envoie régulièrement ces photos en France pour les points presse avec les journalistes en France. Elles sont mises à disposition, en fait, ces vidéos sont mises à disposition des journalistes. Voilà pour les missions que je réalise au quotidien. Nous, dans les métiers d'image, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a quand même deux types de recrutement, soit pour les militaires du rang, donc c'est plutôt au niveau CAP, donc c'est pas forcément l'objet aujourd'hui, ou alors en tant que sous-officier, où là c'est un niveau bac. Parce qu'après, les officiers qui sont recrutés à partir de bac plus 3, si je ne me trompe pas, dans les métiers de l'image, en fait, ils ont vraiment un rôle d'encadrement. Ils ont pas, enfin, de management,
mais ils n'ont pas un rôle de. Enfin, les officiers communication ne font pas des photos, ou, enfin, en tout cas dans l'armée de l'air, ça ne se passe pas comme ça en fait. Le chef de cabinet, son rôle, c'est de gérer son équipe avec des photographes, des communicants, mais lui, il ne fait pas de photos. Donc nous, on est plutôt sur les militaires du rang où on a un niveau CAP et les sous-officiers où il y a un niveau bac. Donc ça, après, il faut peut-être voir avec les personnels du CIRFA qui, eux, seront plus à même que moi d'expliquer vraiment quel diplôme il faut exactement pour pouvoir être recruté. Donc ça, c'est pour la partie recrutement. Ensuite, des stagiaires, on en prend pas énormément parce qu'on est des petites structures, donc on ne peut pas prendre beaucoup de stagiaires à la fois. Donc je vais dire qu'on prend à peu près un ou deux stagiaires par an, beaucoup qui sont en bac pro photo. En général, ils viennent un mois chez nous pour effectuer leur stage obligatoire à dans leur école. Mais on a aussi actuellement un étudiant qui est en master chef de projet infographie. Donc lui, il est là 2 jours et demi par semaine. Il est dans une école de Bordeaux. Mais finalement, c'est intéressant pour nous parce qu'il fait beaucoup d'infographie et de photos. Enfin, il fait vraiment notre travail au quotidien. Mais lui, avec son titre, ce serait un peu dommage qu'il fasse photographe. Enfin, il pourrait, mais il a plus un rôle après de chef de projet ou dans le civil. Donc, c'est des diplômes un peu évolués par rapport à ce que nous, ce qu'on recherche au quotidien, en fait. Donc, ça, c'est pour les stages. Et ensuite, voilà, faut être passionné par la photo, mais aussi par le côté militaire. Parce que je rappelle que, voilà, on est photographe, mais on reste militaire avant tout. Donc, on fait du sport, on fait des astreintes militaires, on fait voilà, des petites missions. Donc, voilà, faut avoir les deux. Faut être à la fois passionné par la photo et passionné par l'armée. Merci Laurane. Je voulais juste préciser, que vous me l'aviez dit, que les étudiants qui sont en stage aujourd'hui chez vous, ce sont des étudiants qui ont porté une candidature spontanée. Voilà. Donc c'est auprès de enfin de la base. Voilà. Oui, en fait, comme on peut pas en accueillir énormément, en fin de compte, on a assez de demandes, on n'a pas besoin d'aller à la recherche de stagiaires ou d'apprentis. En général, on a assez de demandes, voilà, on n'a pas besoin de faire de la pub, en fait, si je peux dire, pour chercher des stagiaires. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir faire des stages chez nous.